Paga fait une déclaration d'amour peu spéciale à Giuseppa. Il est vrai qu'à part la confiance et la communication, les petites taquineries font également perdurer l'amour. Et Paga en est bien conscient. La preuve, il a déclaré son amour à sa chérie d'une manière tout à fait particulière. Personne n'aurait cru que le couple Paga et Giuseppa allait tenir aussi longtemps. Avec leurs différences d'âge, beaucoup de gens pensaient que Giuseppa ne sortait avec Paga que pour l'argent. Sauf qu'ils avaient tout faux. La relation entre les deux tourtereaux dure depuis plus d'un an et ils attendent leur premier enfant. Maintenant, le Marseillais semble être l'homme le plus heureux du monde et encore plus épris de sa petite femme. En faisant défiler la story du jeune homme de ce lundi 5 décembre, on ne voyait que le visage de sa douce Giu. Dans l'une de ses stories, l'homme de 34 ans a partagé une photo de Giuseppa. Un cliché qui a visiblement été pris par surprise. Sur la photo, il avait déclaré son amour en écrivant « Mon amour ». Simplicité, rigolade, amour éternel. Je t'aime ma poule aux yeux d'or. Cependant, le jeune homme ne s'est pas arrêté là. Actuellement en France, les deux tourtereaux étaient de passage à Font-Romeu. Là encore, le beau brun a exprimé son amour à sa compagne, mais d'une manière assez ordinaire et mignonne à la fois. Ils étaient apparemment dans une sorte de librairie et Paga avait trouvé un livre qui, selon lui, définit bien sa compagne. Le livre en question était l'adaptation en boulevard du best-seller « La femme parfaite est une CSE ». Il a donc pris l'ouvrage, l'a donné à Giuseppa en déclarant qu'il avait trouvé un livre qui lui va à merveille. Il a ensuite demandé à la future maman de sourire pour qu'il puisse la prendre en photo. « Mais bien sûr que je savais qu'elle était parfaite », a-t-il écrit en légende de la photo qu'il a partagée sur Instagram. Un geste d'amour qui n'a pas manqué de faire réagir les followers, mais aussi Giuseppa, qui est souvent critiqué pour son physique. La jeune femme a seulement écrit « Je pleure » dans les commentaires, visiblement surprise par l'acte de Paga. Il faut quand même savoir que tout n'est pas rose entre les deux stars de télé-réalité. Et ce, à cause des sautes d'humeur de la jeune femme. Tous ceux qui suivent Giuseppa sur les réseaux savent que sa grossesse n'est pas facile. Avec le bouleversement hormonal, il est certain que des changements d'humeur se produisent également. Et la personne qui subit le plus n'est autre que le futur papa. À 5h40 du matin, le jeune homme a fait une vidéo pour montrer à ses abonnés qu'il est très épuisé par les sautes d'humeur de sa copine. D'ailleurs, de l'autre côté, on peut entendre la voix de la future maman qui parle de la décoration de Noël. Se pourrait-il que la jeune femme le réveille à 6h moins le quart pour décorer la maison? On l'ignore. Mais dans la vidéo, celui qui s'est fait connaître dans les Marseillais a mis à midi avoir envie de pleurer à cause de la pression de sa dulcinée. « Je ne savais pas que c'était comme ça les hormones », a-t-il avoué à la fin.